Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau haul Jiffy. J'ai reçu de nouveau une carte cadeau qui m'a permis d'aller, bon déjà faire un petit tour, regarder un peu les nouveautés, j'aime bien ça, et me trouver pas mal de petits articles, essentiellement déco. J'adore, c'est en plus je trouve que tout ce que j'ai acheté se marie super bien ensemble. Je commence d'ailleurs tout de suite avec cet arbuste déco qui a un côté un peu empire. C'est d'ailleurs parfait pour moi le fait que ce soit pas que ce soit un peu synthétique hein, vis-à-vis de Jack qui me mange toutes les plantes, donc je ne peux pas avoir de plantes à la maison, de fleurs. Cet arbuste coûte 14,90€ et il va aussi bien en déco dans une chambre, dans un salon qu'en extérieur. J'avais déjà pris chez eux le format beaucoup plus petit qui rend super bien, je crois qu'il est là-bas, et ça faisait un moment que je passais devant, je me disais ah, quand même il est pas mal, et bah enfin je l'ai pris. Dans la partie dressing, il y avait ces boîtes de rangement, donc celle-ci elle est de format rectangulaire, il y avait plein de modèles, enfin en tout cas de graphismes différents. J'aime bien celui-ci, côté épuré mais qui fait très élégant, en plus on a les anses qui sont métalliques, on peut ranger aussi bien du textile que de la papeterie, des documents. Cette boîte de rangement coûte 9,90€. La longueur est de 51 cm et on a une hauteur de 18,5. Et cette boîte coûte 9,90€. Dans la partie vaisselle, j'ai craqué pour ces coupelles qui, quand je les ai vues, je me suis dit ça va me servir, ça va être très très bien pour le matin quand je mets mon fromage blanc avec mes goji, mes pruneaux, mes amandes. En plus d'être mignon, ça va être très pratique. Et aussi, je me suis dit ça peut être sympa, mais je pense pas que ça passe au four pour faire, vous savez, les œufs cocottes, crème fraîche, des œufs, du poivre. Mais bon, en tout cas, ça reste super joli et je sais que je vais en avoir l'utilité. Et ces coupelles coûtent 3,25€ l'unité. Un plateau qui, pour moi, est plutôt un vide-poche, on va dire. On a un liseré tout autour, donc doré à l'intérieur, au centre. C'est un ananas qui est noir. C'est très joli, on met ça sur une petite console, notamment quand on rentre pour poser ses clés, enfin un petit peu tout ce qui traîne. Et en déco, bah, ça va trouver très facilement sa place. Ce plateau coûte 4€. Ce cadre photo, le prix est encore dessus, c'est donc 7€. Il est gris, anthracite, côté romantique, un peu baroque. Bon, on a bien évidemment un traditionnel support, mais c'est vraiment, alors, il va être parfait je pense dans cette pièce, pas forcément pour mettre des photos hein, mais des images qui me plaisent et qui sont en accord avec le reste de la déco. Je voulais me reprendre une autre housse et je sais qu'ils en ont pas mal, je suis restée longtemps hein, quand même pour choisir le motif et je suis arrêtée sur celui-ci qui est particulier, c'est vrai, mais qui va être très très beau. J'ai pas mon mur qui est un peu mauve parme. Alors, je vais le laver d'abord avant d'installer. Si vous voulez voir comment ça rend, il faudra me suivre dans mes vlogs parce que, bien évidemment, je le montrerai. Et voilà, j'aime bien le côté un petit peu bleu, très très clair. Et ça fait un peu art déco, je trouve. C'est 220 par 240, donc c'est pour un litre de personnes. Et on a deux oreillers, deux thés d'oreiller, 63 par 63. Cette housse coûte 22,90€. Magnifique. Une housse de coussin, donc c'est des coussins de 40 par 40. On a un beau dégradé de gris, de blanc, de rose. Les pompons un petit peu pampilles. Super jolie. Il y en avait 3 en tout et j'ai hésité à en prendre plusieurs. Ouais, bon, parce que ça coûte 4€. Donc franchement, je trouve que c'est très abordable. Et j'avoue, hésiter, je vais peut-être y retourner pour prendre les deux dernières avant qu'il n'y en ait plus. Ils ont un nouveau rayon qui est un petit peu girly, papeterie aussi, accessoires cheveux, donc là-bas. Et j'ai pris ce semenier qui est super mignon, donc on est sur des couleurs pastel, hein, on est d'accord. Week planner, things to do, message, donc on le pose sur le bureau, c'est très pratique. Et ah, j'avais pas vu, on a un petit peu comme un marquage, une règle. Ce semenier coûte 4€. Rien à voir, mais j'avais plus de sac poubelle et ils en faisaient. Donc j'ai pris des 50 litres avec lien coulissant, la base. Et il coûte 4€. Voilà. Je crois que c'est tout pour mes trouvailles. Par contre, j'ai été vraiment étonnée parce qu'on m'a donné le ticket. En me donnant le ticket, donc je crois que c'est jusque 14 juin, quelque chose comme ça. Donc bon, renseignez-vous si ça vous intéresse. 20€.
pour tant d'achats, genre 60 ou 40 euros, pareil, renseignez-vous, pour la prochaine fois que je pourrais cumuler, notamment avec mes cartes cadeaux. C'est plutôt très très bien. Voilà. Ça y est, c'est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce que vous avez préféré dans tout ce que j'ai acheté. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner déjà à ma chaîne, à liker cette vidéo. Et moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite, très certainement pour un nouveau vlog. Voilà, je vous embrasse. Salut.